Salut tout le monde, c'est Gaius, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon version noire. Et ce n'est pas le chapitre 38, mais bel et bien un chapitre bonus, entre guillemets, puisque je ne sais pas si vous savez, mais Nintendo distribue en ce moment même, c'est-à-dire du 1er juin jusqu'au 30 juin 2012, le Pokémon Victini que certains ont pu rater à la sortie de Pokémon version noire en avril ou mars 2011, pardon. Donc voilà, il est disponible par le cadeau mystère, c'est-à-dire un événement Nintendo par Wi-Fi. Donc on va tout de suite aller récupérer ce Pokémon numéro 0 du Pokédex. Donc comment s'y faire? Déjà, si vous avez une Nintendo DS normale ou Lite, les configurations du Wi-Fi se font dans les paramètres ici. Sinon, si vous avez une DSi, DSi XL ou 3DS, les paramètres se font sur la DS, sur la console. Donc là, j'ai une DSi et j'ai déjà paramétré mon Wi-Fi sur la console, donc on va tout de suite récupérer ce Pokémon. Donc vous faites recevoir un cadeau. Oui. Et là, vous choisissez via la connexion Wi-Fi Nintendo. Et on attend patiemment que notre cadeau arrive. Voilà, donc là, il recherche un cadeau. Alors, je vous dis, le cadeau, enfin, Victini est disponible qu'en France et était disponible dans d'autres pays d'Europe. Voilà, il est là. Donc, si vous avez une cartouche japonaise, par exemple, ça ne marchera pas. Mais Victini a déjà été distribué puisque c'est le Victini du film 14. Le film est déjà sorti l'année dernière dans les cinémas japonais, donc normalement. Alors, venu tout droit du royaume du Val, ce Victini s'imposera dans tous les combats grâce à sa capacité coup victoire. Le cadeau a été réceptionné, vous pouvez le récupérer dans n'importe quel centre Pokémon. Nickel. Allez, c'est parti. On va aller le récupérer, bien sûr. On va pas faire les choses à moitié. Hein. Hop là. Ça rappelle un peu mon premier épisode. Victini, mais non, c'est pas le premier et c'est pas non plus avec le Pass Liberté, mais un événement Nintendo. Bon, c'est pas plus mal. Donc je suis resté entre Lask, je sais plus du tout ce que je faisais. Mais d'ailleurs, on va continuer l'aventure tout de suite après. Voilà, c'est ce bonhomme là, mais il faut avoir de la place dans son équipe, je pense pas en avoir. Non, donc on va aller déposer ça vite fait. D'ailleurs, vous avez aussi été encore nombreux à me demander des combats, 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 combats. Moi, je vous le dis, les combats en ce moment, pas possible. Hein. Moi, je vous dis, attendez les vacances d'été. Là, ce sera mieux. Donc, on va virer qui lui, la Quillfish. Voilà. Et on va aller récupérer notre petit Victini et voir un peu les capacités qu'il a. Le niveau, je crois, 50, il me semble. Bonsoir, vous devez être Croxy. Voilà, donc tous les événements en fait Nintendo sont récupérables dans le centre Pokémon avec ce monsieur. Merci monsieur. Alors niveau 50. Donc je vous lis les caractéristiques du bas. Donc numéro Pokédex 494 puisque c'est le Pokédex national. Victini, bon le type n'a pas changé, dresseur d'origine Fin 14, donc voilà c'est pour la distribution du Fin 14. Bon l'idée on s'en fiche, bon blabla, l'objet joyau feu, ça doit augmenter les attaques feu il me semble. Alors, bon les stats s'affichent en haut. Bon il a les mêmes stats que mon Victini d'avant. Hein. Bon de la précision, des Pokémon de l'équipe avec victorieux, ça doit être ça. Coup victoire, alors les attaques, coup victoire, je connais pas. Le lanceur projette une flamme ardente de son front et se jette sur l'ennemi. Baisse la défense spéciale et la vitesse. Ouais, sûrement sur le lanceur. Ouais, s'il se jette sur l'ennemi. Bon, c'est pas mal, mais bon, il y a quand même 3 stats baissés. Est-ce que ça vaut le coup, à mon avis, en dernier recours. Flamme croix, donc là, c'est une attaque spéciale. Victini était meilleur en attaque spéciale. D'ailleurs, si vous regardez bien, défense spéciale est en rouge alors que vitesse est en bleu. Donc il est meilleur en défense spéciale, enfin sa défense spéciale est meilleure plutôt que sa vitesse. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Pour ce Pokémon, j'ai pas vraiment. Bon, flamme croix, projette une boule de feu gigantesque, l'effet augmente sous l'influence d'éclair croix. Éclair croix. Waouh!
Incendie. Waouh, mais c'est un monstre. Voilà donc le Victini que nous propose Nintendo. Et le Rubens, oui, Rubens supposé exaucer les vœux. D'accord, je connais pas. Donc voilà, c'est tout pour les caractéristiques de ce Pokémon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, j'ai vu que mon nombre d'abonnés a atteint 500 abonnés. C'est franchement, merci beaucoup. C'est un nombre assez important. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je sais pas si je fais une vidéo dessus. Bon, peut-être, mais ça sera pas extraordinaire. Mais voilà, encore merci. Et puis à la prochaine pour le chapitre 38. Ciao tout le monde.